Installons-nous un petit moment confortablement assis en tailleur ou jambes tendues devant soi. Fermez les yeux si c'est possible pour vous. Prenez conscience de la forme du corps posé au sol. Progressivement, ramenez l'attention sur le souffle. Et observez comment vous respirez. Ne cherchez pas à modifier votre respiration. Laissez-la libre de tout mouvement, d'accélération, de ralentissement, de soupir. Prenez conscience du bassin posé au sol. Pour sa bonne position, redressez la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez vos épaules, vos trapèzes. Puis posez les deux mains sur le ventre. Et respirez trois fois sous vos mains avec le nez. Posez trois fois les mains sur la poitrine et respirez trois fois avec le nez. Et sentez la respiration sous vos mains. Faites un dernier cycle par une grande inspiration en ouvrant bien votre cage thoracique. Et à l'expire en la vidant bien. Puis relâchez les mains sur les genoux. Commencez par faire des grimaces avec votre visage. Puis relâchez votre mâchoire suffisamment pour que la bouche s'entr'ouvre légèrement. Et prenez comme repère votre menton pour tourner votre tête de droite à gauche, à votre rythme, en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin dans le mouvement. Revenez au centre. Basculez la tête d'avant en arrière, du nord vers le sud, sans enrouler vos épaules. Et respirez. Quand j'indiquerai respirer, c'est prenez conscience de la respiration. Et revenez au centre. Battez des paupières un instant. Et relâchez. Et on va venir s'installer debout. Passez sur le côté. Et redressez-vous.
Installez vos deux pieds au sol en prenant conscience de la sensation sous les pieds et ouvrez vos pieds à 10h10. Contractez légèrement les fesses pour ramener le bassin par une bascule légère vers l'avant. Rentrez légèrement le ventre en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Relâchez les épaules et ouvrez vos bras en croix, paume des mains vers l'avant et étirez-vous. Respirez. Maintenez. Et pour redresser la nuque, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Faites maintenant trois grandes inspirations, expirations par le nez. Avec votre cage thoracique en écartant les côtes à l'inspire. Et en vidant. À l'expire. Maintenez cette grande ouverture et pompez avec les mains. Respirez. Et on relâche entièrement la posture, les bras. On vient croiser les doigts, on garde la base des pouces collés et on tourne les poignets dans un sens. Regardez ce que vous faites et restez conscient et ressentez bien ce que vous faites. Et dans l'autre sens. Puis on pousse les mains croisées vers l'avant, on tend les bras. On regarde vers le ciel, on tend les bras vers le ciel et on s'étire. Poussez les talons dans le sol, le regard vers le ciel, les bras tendus vers le ciel, étirez la colonne. Poussez les talons dans le sol. Puis déployez vos bras sur le côté comme si c'était deux grandes ailes. Et en dernier, je redresse ma tête. Et maintenant, on va faire la posture de l'arbre, qui est une posture d'équilibre. Pour les postures d'équilibre, vous regardez l'horizon et vous fixez un point à l'horizon. Prenez conscience de votre jambe gauche tendue. Pliez la jambe droite et venez poser le pied à l'intérieur de votre cuisse ou sur votre mollet. Faites un fort contact entre le pied et la cuisse pour maintenir l'équilibre, main jointe sur le cœur. On élève les mains jointes au-dessus du crâne. On sépare les doigts pour ouvrir les branches. On ouvre les coudes. Et on respire à plein poumon trois fois. On
On referme les mains, on passe les deux mains devant le visage. Et on relâche la posture. Prenez conscience de la jambe droite et pliez la gauche. Faites un fort contract entre la cuisse et le pied ou le mollet et le pied, main jointe sur la poitrine. Faites trois grandes inspirations, expirations par le nez. Et puis montez les deux mains jointes au niveau du crâne. Ouvrez les doigts. Ouvrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Resserrez les omoplates. Refermez les mains. Passez les deux mains devant le visage. Et relâchez. Séparez légèrement les pieds, largeur du bassin, prenez conscience du contact des pieds au sol. Fermez les yeux. Remontez l'attention de la plante de vos pieds le long de vos jambes. Traversez le bassin. Le buste. Les deux bras jusqu'au bout des doigts, essayez de ressentir vos doigts. Y a-t-il une sensation dans la main, au bout des doigts? Si vous sentez de l'énergie dans les mains, faites remonter cette énergie à nouveau le long des bras en sens inverse, en direction de la gorge. Restez un instant sur la gorge. Et faites remonter dans la tête. Secouez un petit peu les membres, les jambes, les bras, les épaules. Et relâchez. Pliez le genou droit, montez sur vos orteils collés au sol et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant bien attention à utiliser les trois articulations, la cheville qu'on essaye d'assouplir, votre genou. Et ça part du mouvement à partir de votre hanche droite. Et on relâche. Et de l'autre côté, orteil gauche. Et là, on tourne dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Ça part de la hanche gauche. Votre genou décrit et forme un cercle et on travaille la cheville. Et relâchez. Venez à l'arrière de votre tapis. Et venez vous asseoir à l'indienne.
séparez bien les pieds, largeur du tapis. Posez les talons au sol. Séparez bien les genoux. Et avec les coudes, on va essayer d'ouvrir les genoux pour ouvrir le bassin, les hanches. Une fois installé, on redresse la colonne vertébrale. Le sacrum est dirigé vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Pendant vos postures, vous pouvez fermer vos yeux pour vous concentrer et ressentir la posture, les sensations ou d'autres perceptions plus englobantes. À tout moment, vous pouvez sortir des postures et attendre la suivante. Essayez de relâcher le pli de l'aine, l'intérieur des cuisses. Inspirez, expirez profondément. Et venez vous asseoir, vous installer dans la table. Les deux mains sous les épaules, pointe des coudes vers l'arrière et les fesses au-dessus. Les genoux, le dos est droit. Et on va faire des petits mouvements de dos rond et de dos creux. Prenez comme repère le bassin qui bascule, la tête qui bascule et à votre rythme, dos creux, dos rond. Respirez. Maintenez la position dos rond. Maintenez la position dos creux, le regard vers le ciel. Cette posture, nous allons passer dans la montagne. Utilisez une bonne longueur de votre tapis. Séparez les doigts, enfoncez la paume des mains dans le sol. Séparez vos pieds. Poussez les fesses vers le ciel. Tendez les bras. Puis tendez les jambes. Rapprochez les talons progressivement du sol, même s'ils restent collés, décollés. Une fois installé dans la posture, rentrez le ventre, poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Essayez de maintenir ce creux dans le ventre et sentez un effet ventouse et continuez à respirer avec le haut de la poitrine. Faites de grandes inspirations, de grandes expirations. Et sentiez l'étirement de la tête jusqu'aux pieds. L'étirement se fait progressivement. Il devient de plus en plus facile au fur et à mesure des respirations. C'est grâce à la respiration que l'étirement devient facile, naturel et spontané.
sortir de la posture, on plie les genoux au sol et on va venir dans le chat. Séparer les genoux, largeur du bassin, poser le coup de pied au sol, les fesses au-dessus de vos genoux et vous tendez les bras à l'avant en déposant votre front au sol. Si c'est possible, posez le menton au sol. Relâchez la poitrine et essayez de la rapprocher du sol. Respirez. Gardez le ventre souple. Laissez-le suivre la respiration. Et on va plier les coudes pour passer dans le sphinx. Allongez les jambes au sol. Séparez les pieds. Posez les coudes sous vos épaules. Relâchez le ventre en direction du sol. Et redressez la tête vers le ciel. Relâchez la zone des lombaires, la zone des reins, puis pliez un genou, orteil vers le ciel, pliez le deuxième, orteil vers le ciel. Contractez légèrement les fesses, laissez le corps se placer en fonction de ce que vous ressentez. Suivez votre ressenti pour les placements. Si besoin de déplacer une main, un coude. Rapprochez délicatement les talons en direction du dos. Un pied après l'autre. Allongez le corps au sol, tournez la tête d'un côté. Pliez les coudes. Relâchez les épaules. Placez vos orteils face à face. Les talons sont ouverts sur le côté. Je relâche mon ventre. La zone de mes omoplates. L'espace entre mes omoplates. Je relâche les tensions de ma nuque. Peut-être que je dois déplacer ma tête. Me mettre de plus en plus à l'aise. Relâcher ma mâchoire, ma langue, le fond de ma gorge.
ne desserre mes paupières si elles sont tendues et serrées. Le contact sur les yeux est de plus en plus léger. Je desserre l'espace entre mes sourcils et la surface de mon crâne. Délicatement, je tourne ma tête de l'autre côté. Je relâche à nouveau ma mâchoire jusqu'à ce que mes lèvres se séparent. Mes joues se creusent. Je relâche l'intérieur de la cavité de mon nez. Au niveau de mes sinus. Je prends conscience de l'ensemble de mon corps, de sa forme, de ses sensations. Progressivement, je vais bouger les doigts, les orteils. Bouger les jambes. Redresser ma tête. Et venir m'étirer dans la baleine. Le front au sol, les pieds séparés. Je tends mes bras à l'avant. Sur une inspiration, je décolle mes jambes, mes bras et je m'étire. Le regard à l'horizon et je m'étire. Et quand je suis allée au bout de mon étirement, je relâche en posant mes mains à la hauteur de la poitrine pour me redresser. Je pousse sur mes mains, je me redresse, je plie les genoux. Et je viens m'installer. Assis au sol, dans le papillon, plante des pieds face à face, les mains sur les chevilles, et je vais battre des ailes avec mes genoux, relâcher l'intérieur de mes cuisses. Enfoncer mes ischions dans le sol en redressant mon bassin, ma colonne vertébrale, le sommet de mon crâne. Et pour poursuivre l'ouverture des hanches, je relâche mon battement. Je place mes coudes à l'intérieur des genoux tout en attrapant mes chevilles et je vais pousser en basculant le buste, en utilisant le poids du buste et de ma tête à l'avant. Je vais pousser sur mes coudes pour ouvrir mes genoux. Une fois installé, trois grandes inspirations, expirations. Avec le haut de la poitrine. Remplissez, sentez le dos qui s'ouvre, les omoplates qui se séparent à l'inspire. À l'expire, vous relâchez, vous videz bien les poumons.
Et vous reprenez. Grande inspiration, la cage thoracique s'ouvre, les côtes se séparent. Plus d'espace entre mes deux omoplates. Je laisse l'air s'engouffrer dans mes poumons. Je contrôle mon expiration lente, progressive, et j'essaye de vider au maximum mes poumons. Et une dernière fois à votre rythme. Sentez bien ce mouvement respiratoire et ce corps qui suit le mouvement. Je relâche mes coudes et on va venir s'installer dans la tortue. Trouvez le bon écart pour vous entre votre bassin et vos talons. Les genoux ouverts, je glisse mes deux mains sous les chevilles, j'attrape mes pieds. J'ouvre volontairement mes genoux en direction du sol. Et par une bascule de mon bassin à l'avant, dans un premier temps le dos relativement droit. Et dans un second temps, je relâche ma tête en direction des pieds. Et je m'installe dans la posture. Laissez-vous guider pour vos placements en fonction de ce que vous ressentez. Posture d'introspection, une petite minute de silence pour vous, en vous. Quand les tensions commencent à se relâcher, sentez en vous ce grand mouvement respiratoire avec une grande inspiration spontanée et un relâchement qui ressemble à un soupir au moment de l'expire. Laissez bien faire ce mouvement naturel, ne le réfrénez pas, ne le réprimez pas. Et sentez comment vous vous sentez justement juste après. Et on va sortir de la posture. Vous allez dérouler votre dos, vertèbre par vertèbre, en gardant la tête basse le plus longtemps possible. Et c'est elle qu'on redressera en dernier. Alignez la colonne entre la terre et le ciel. Posez vos deux mains à l'arrière du dos. Posez entièrement la main au sol. Base du pouce au sol. Ouvrez vos épaules. Ouvrez la poitrine. Et décollez les hanches vers le ciel. Prévoyez
un peu plus d'espace derrière vous que moi pour pouvoir avoir la tête dans le prolongement. Et on relâche. Venez vous installer en tailleur ou jambes tendues devant vous. Fermez les yeux. Relâchez la mâchoire, les épaules. Suivez le trajet du souffle dans un mouvement ascendant à l'inspire, en prenant comme base la base de votre sternum, la base inférieure. Remontez dans la tête. À l'expire, faites le trajet en sens inverse dans une forme de boucle. Retrouvez la pointe du sternum. À l'inspire, remontez, traversez le cœur, les poumons. Traversez la tête. À l'expire, redescendez en direction de la base du sternum. Faites comme ceci pour vous en silence et concentré. 4 cycles. Et nous allons finir cette séance en rejoignant nos deux mains devant le cœur, en essayant de ressentir le cœur battre. Et en ayant une pensée pour tous les êtres dans le monde. Je vous remercie pour votre séance. Et je vous dis à très bientôt.